Voilà près de 10 000 ans que l'Imperium des Hommes règne en maître sur la galaxie. 10 000 ans, une durée démesurée, vertigineuse pour nous autres humains, et pourtant si insignifiante à l'échelle de l'univers. Pour le maître de l'humanité, l'idée que l'histoire n'était qu'un cycle appelé à se répéter encore et encore était une limite dont il entendait s'affranchir. Avant lui, nombreux pourtant avaient été les empires à proclamer leur domination sur la galaxie. Nombreux avaient été ceux à croire que leur règne serait éternel, immuable. Nombreux avaient été ceux à penser qu'ils avaient figé le temps. Seulement, de ceci, il ne reste rien, si ce n'est quelques vestiges témoignant de leur illusion. Bien avant qu'ils ne fondent l'Imperium, alors que celui-ci n'était qu'un simple observateur errant à travers les continents de la vieille Terre, l'Empereur avait assisté à l'avènement de la race humaine. Un âge d'or connu de nos jours sous le nom du Moyen-Âge technologique. Une époque qui, après des millénaires de conquêtes nouvelles et de découvertes extraordinaires, vit l'humanité atteindre son apogée. Cette période désormais révolue, presque oubliée, s'était conclue par l'effondrement de tout ce que l'homme avait bâti au terme d'une chute aussi brutale que son apothéose fut grandiose. Ce cataclysme sans précédent avait poussé l'humanité au bord du précipice, proche de son extinction. Il en subsistait toutefois quelques échos pour qui voulait tendre l'oreille vers ces temps lointains, comme si, par ces bribes d'histoires parvenues jusqu'à nous, les âmes des ancêtres souhaitaient nous faire parvenir un message, un témoignage afin de nous prévenir de leurs erreurs et ce faisant, éviter qu'elles deviennent les nôtres. Le récit qui suit participe de ces avertissements du passé, censé nous prévenir d'un présent que nous ne désirerions pas. Alors que l'humanité ne cessait d'étendre les limites de ses domaines à travers la Voie lactée, celle-ci fit la rencontre de la race des Aeldari, une race qui, avant l'avènement de l'espèce humaine, avait elle aussi été maîtresse de la galaxie, avant de devoir à son tour céder sa place. Sur le déclin, l'Empire Eldar demeurait néanmoins puissant, et, faisant montre de prudence, les hommes firent le choix de cohabiter en paix avec lui. Suite à leur rencontre, Aeldari et humains en vinrent à échanger à de nombreuses reprises. Les premiers dévoilèrent ainsi aux seconds, certes de façon parcimonieuse, des informations sur le passé de leur race. Parmi les histoires rapportées, il en est une qui marqua à ce point nos lointains ancêtres que ceux-ci estimèrent de leur devoir de la consigner précieusement pour les générations à venir. Cette histoire, enfouie dans les profondeurs du temps, se déroula ainsi bien avant que l'homme ne foule les vastes continents de son monde natal, bien avant même que la plupart des espèces peuplant la galaxie n'y apparaissent et y prospèrent. Mais plus qu'une histoire, celle-ci apparut à nos lointains ascendants tel un avertissement, une mise en garde, un message à léguer de génération en génération, afin de ne jamais oublier qu'une force colossale, tapie dans les ténèbres depuis des temps immémoriaux, attend son heure, patiemment, prête à tout dévaster pour assouvir sa vengeance. Un récit afin que la galaxie n'oublie jamais que, tôt ou tard, viendra une guerre à nul autre pareille. Une guerre qui aura pour conséquence la fin de toute vie. Ce récit, légué par les Aeldari à l'espèce humaine, débute il y a de cela des éons, au moment même où les toutes premières formes de vie émergeaient des ténèbres qui les entouraient. Des entités informes, incapables d'interagir avec le monde de la matière. Des êtres échappant à toute conception humaine, dont l'esprit froid, vide de toute émotion, était uniquement guidé par une faim insatiable et la volonté de survivre. Formés dans le vide sombre et glacial de l'espace, par les immenses émissions d'énergie relâchées lors de la création de notre galaxie, ces créatures éthérées flottaient à travers les abysses, se laissant porter par les flux électromagnétiques parcourant la Voie lactée, allant d'étoile en étoile afin d'en absorber l'énergie, tels d'immenses parasites stellaires. Après des millions d'années d'existence passées à parcourir le cosmos, une forme de conscience primitive émergea chez celle-ci. Une conscience qui allait continuer de se développer avec le temps, chez ces êtres qui, bien plus tard, prendraient le nom de Ktan. Mais alors que le vide entre les étoiles avait engendré les Ktan, le monde de la matière allait, lui aussi, donner naissance à la toute première forme de vie intelligente de la galaxie. Une race dont le nom demeure inconnu, mais qui eut toutefois un impact incommensurable sur le développement de la vie au sein de la Voie lactée. En effet, parmi les nombreuses espèces qui allaient s'y développer au fil du temps, il est étonnant de voir que quasiment toutes furent en contact, de près ou de loin, avec cette race mystérieuse. Hélas, de ces formes de vie à avoir vécu durant les âges les plus anciens, il ne reste désormais quasiment plus aucune trace de leur passé, leur histoire ayant été oubliée à jamais suite au passage du temps. Seuls les ancêtres des Aeldari furent en mesure de préserver des fragments d'informations sur cette époque, et notamment sur ceux qu'ils nommèrent les Anciens.
Les récits rapportés sur ces derniers les décrivent comme un peuple à l'apparence reptilienne, d'une intelligence en commune mesure. Ces êtres, spirituels, pacifiques et bons, dotés d'une grande sagesse, avaient élevé l'astrologie et l'astronomie au rang de sciences mystiques. Grâce à leurs immenses dons psychiques et à leur maîtrise des sciences, les anciens développèrent une technologie extrêmement avancée, jamais égalée, même à ce jour. Lorsqu'après des millions d'années passées à arpenter les jungles luxuriantes de leur monde natal, ceux-ci furent enfin en mesure d'en quitter les cieux, ils réalisèrent, avec tristesse, leur solitude en parcourant les immensités infinies et vides de l'espace. Toutefois, loin de se laisser décourager, les anciens continuèrent leur exploration du cosmos, en y développant un moyen de se déplacer par la construction d'un réseau de portails warp disséminés à travers la Voie lactée. Cette toile labyrinthique, façonnée à travers un système de tunnels interdimensionnels, permettait, ainsi, tel un pont, de naviguer entre le plan physique et le monde immatériel. Une technologie prodigieuse, inconcevable, dont, même des centaines de millions d'années plus tard, des vestiges demeurent éparpillés à travers la galaxie. Des vestiges qui, dans un futur lointain, donneraient l'idée folle à un homme de tenter de reconstruire ses créations divines. Ce système permit ainsi de réduire drastiquement les temps des déplacements à travers la galaxie. Des voyages qui auraient pris plusieurs milliers d'années aux flottes des anciens se faisaient désormais seulement en quelques semaines, voire en quelques jours. Il est intéressant de noter que le monde immatériel de cette époque ne ressemblait alors en rien à la dimension infernale du 40e millénaire. Le warp des premiers instants de l'univers apparaissait tel un océan calme, paisible, pas encore affecté par les émissions psychiques et les émotions des créatures mortelles, alors bien rares au sein de la galaxie. Les anciens, ressentant comme un pressentiment sur les dangers de cet endroit, choisirent de concevoir un système de galeries psychiques sécurisées pour le traverser, plutôt que de naviguer en son sein, comme le feraient la plupart des races qui se développeraient après eux. Une fois achevée, cette création prodigieuse ne leur servit pas à assouvir une quelconque soif de domination sur la galaxie, mais, au contraire, à aider au développement de la vie au sein de celle-ci. Au cours de leur voyage, ils firent en effet la rencontre de nombreuses formes de vie, à l'état primitif, voire cellulaire. Tenant la vie sous toutes ses formes comme sacrées, les anciens utilisèrent leur technologie prodigieuse afin d'aider ces espèces à se développer, avant de les guider en vue de former des sociétés stables et harmonieuses. Plus impressionnant encore, ceux-ci allèrent jusqu'à transformer certaines planètes afin qu'elles soient en mesure d'accueillir de nouvelles formes de vie qu'ils avaient eux-mêmes créées. Parmi celles-ci, seuls les Slan, les Jokaero ou encore les Krork nous sont connus, et nul, hélas, ne peut dire combien d'autres espèces furent ainsi engendrées. Les Aeldari eux-mêmes ne savent pas quel rôle ceux-ci jouèrent au développement de leur propre race, ne pouvant être certains d'avoir été créés ou seulement guidés par ces bienfaiteurs. Personne ne sait d'ailleurs quelle a été précisément l'influence des anciens sur le développement de la vie au sein de la galaxie, tout comme personne ne peut dire pourquoi ceux-ci décidèrent d'agir avec tant de bienveillance envers les autres races de la Voie lactée. Peut-être respectaient-ils tout simplement le caractère sacré de la vie, ou peut-être qu'en faisant cela, ceux-ci tentèrent de combler ce sentiment de solitude et d'impuissance face au vide infini et terrifiant de l'espace. La réponse à cette question se trouve peut-être entre les deux. Durant des dizaines de millions d'années, les anciens continuèrent leur exploration de la Voie lactée, tout en fondant un immense empire galactique et en apportant leur soutien aux jeunes espèces qu'ils rencontrèrent à travers les étoiles. Mais alors que leur société atteignait son apogée, une nouvelle forme de vie se développait lentement à l'autre bout de la galaxie. Sur la bordure nord de la Voie lactée, dans une région immense composée de centaines de millions de mondes, une région qui prendrait plus tard le nom du halo des étoiles, la race des Nécrontyrs tentait tant bien que mal d'imposer son droit à exister sur une planète qui ne semblait pourtant pas vouloir d'eux. Là où les anciens, grâce à leurs immenses capacités intellectuelles et psychiques, se développèrent à une vitesse vertigineuse au cœur des jungles luxuriantes de leur monde natal, les Nécrontyrs, eux, connaissaient une évolution lente et pénible. Depuis toujours, ces derniers regardaient avec tristesse et envie vers les étoiles, espérant pouvoir un jour quitter ce monde aux conditions de vie épouvantables. Proche de son étoile, celui-ci était ainsi constamment balayé par de terribles tempêtes solaires et des vents radioactifs qui affectèrent le développement de l'espèce. Constamment rongé par d'horribles maladies, les cancers et autres tumeurs réduisaient drastiquement la durée de vie de ses membres. Rares étaient ainsi ceux à pouvoir atteindre l'âge adulte, et encore moins ceux à pouvoir vivre plus d'une décennie ou deux. Dès leurs plus jeunes âges, les Nécrontyrs prenaient ainsi conscience qu'ils n'avaient pas grand-chose à attendre de leur passage en ce monde, si ce n'est de terribles souffrances et le chagrin qu'ils ressentiront à la perte de ceux qu'ils aiment.
Prisonniers de cet enfer, ils y firent cependant preuve d'une ténacité et d'une volonté hors du commun, luttant sans cesse pour leur survie dans ces conditions cauchemardesques. Lentement et péniblement, leur société évolua, et ceux-ci se mirent à bâtir d'immenses villes pour se protéger un tant soit peu des dangers encourus. Celles-ci n'étaient toutefois pas des lieux d'échange à la vie foisonnante, mais plutôt de gigantesques nécropoles marquées par l'omniprésence de la mort. Les Nécrontyres y vivaient ainsi, à l'ombre d'édifices cyclopéens, servant de sépulcres et de tombes à leurs ancêtres. Des lieux dont ils savaient que, bientôt, elles deviendraient leur demeure. Au sein des cités se développa une hiérarchie structurée où les représentants des différentes dynasties régnaient avec autorité sur leur peuple. Ceux qui, parmi les masses misérables des différentes cités, possédaient une constitution supérieure à la moyenne, se voyaient être enrôlés comme guerriers au sein des différentes maisons. Composée de plusieurs centaines de nobles, chaque dynastie était dirigée par un pharaon, au-dessus duquel se trouvait le triarcat. Ce conseil régnait sur les différentes maisons, et ce faisant, sur l'ensemble de la société Nécrontyre. Il était composé des pharaons à la tête des deux plus puissantes dynasties, ceux-ci servant de conseiller aux derniers membres du triarcat, l'héritier de la famille royale. Cet être mystérieux, connu sous le nom du roi silencieux, représente l'autorité absolue. Celui-ci ne prononce jamais un seul mot, si ce n'est pour donner ses ordres à ses deux conseillers. Les triarques prirent rapidement conscience que leur tâche principale allait être de préserver l'unité du peuple dont ils avaient désormais la charge. L'harmonie entre les cités apparaissait en effet comme la condition de la survie de ce peuple dont la dispersion des maigres forces aurait signifié la fin au regard des défis que leur imposait leur monde. De génération en génération, les triarques s'employèrent ainsi à maintenir la cohésion entre les dynasties. Soucieux de leur mission, ils étaient habités d'un profond sens du devoir que nourrissait notamment la vue de ces gigantesques tombes, leur rappelant les sacrifices de leurs aînés dont ils entendaient se montrer dignes. Au fil du temps, les Nécrontyres parvinrent à se développer péniblement, jusqu'à être en mesure d'espérer pouvoir quitter les cieux de leur monde d'origine. Lorsque finalement ce moment arriva, c'est avec une émotion non feinte que ces derniers, jusqu'alors habitués à n'attendre que souffrance et chagrin de leur existence, abandonnèrent les immenses nécropoles de leur monde aux quelques dynasties laissées là-bas comme gardiennes et protectrices des tombes de leurs ancêtres. Unis suite aux innombrables épreuves qu'ils avaient eues à traverser, ils se servirent de cette cohésion peu commune pour fonder un puissant empire à travers les étoiles, marquant ce faisant le début d'une époque grandiose qui vit pendant plusieurs dizaines de milliers d'années les différentes grandes dynasties coloniser des centaines de systèmes planétaires. Durant des milliers d'années, l'empire des Nécrontyres continua ainsi sans cesse de s'étendre. Au fil du temps, leur technologie se développa elle aussi. Faibles de constitution, les représentants de cette race conçurent de puissantes armes à énergie et de solides armures à base de nécroderme, un métal vivant permettant de régénérer quasiment instantanément tout dégât reçu. Ce surprenant alliage en vint rapidement à être utilisé dans de nombreuses constructions, ainsi que pour la fabrication des puissants vaisseaux de leur flotte. Pourtant, malgré ces découvertes incroyables, malgré la puissance de leurs armées et l'immensité de leur empire, les Nécrontyres demeuraient une race maudite. Loin de leur astre d'origine, les nombreuses maladies qui les touchaient finirent certes par disparaître avec le temps, mais les millénaires passés sur leur monde natal avaient causé d'irréversibles dommages à leur sous-génétique, qui les condamnait inéluctablement à une existence éphémère. Mais aussi rude qu'ait été leur existence, ceux-ci avaient été épargnés jusque-là par le terrible sentiment qui accable celui qui ressent le poids d'un sort défavorable contre lequel il ne peut rien. Les Nécrontyres avaient été épargnés du fardeau sous lequel ploie la victime de la fatalité, prenant soudainement conscience de la somme d'efforts qu'elle a dû fournir afin de surmonter des défis auxquels d'autres n'auront jamais à faire face. Appelés à composer avec un monde qu'ils n'avaient pas choisi, ces derniers n'avaient en effet jamais pu jusqu'alors se rendre compte de l'injustice qui les frappait, faute d'avoir croisé sur leur chemin un peuple qui, lui, avait été béni des dieux. Leur rencontre avec les anciens allait s'avérer telle une révélation. Au cours de leur exploration du cosmos, les Nécrontyres finirent en effet par entrer en contact avec l'Empire des Anciens. Ils furent immédiatement subjugués à la vue de la variété et de la richesse des formes de vie qui s'y étaient développées. Des sociétés complexes, harmonieuses et justes y prenaient place au sein de mondes paradisiaques, dotés d'une faune et d'une flore luxuriantes. Ayant eu vent de l'arrivée d'une flotte d'origine inconnue en bordure de leur domaine, les maîtres des lieux partirent à la rencontre de celle-ci, pour finir par entrer en contact avec les diplomates envoyés par le roi silencieux. Leurs échanges se déroulèrent dans un respect mutuel et constructif, d'où découla l'établissement de liens solides. Rapidement, les échanges commerciaux se multiplièrent entre les Nécrontyres et les Anciens, ainsi qu'avec les différentes races sous leur protection.
Bien vite, les représentants des différentes dynasties, ayant été au contact de ces nouveaux alliés, ne purent que rapporter, plein d'enthousiasme et d'émerveillement, ce qu'ils avaient vu. Le gigantesque empire des anciens s'étendait d'un bout à l'autre de la Voie lactée, et les mondes qu'ils avaient colonisés étaient splendides, transformés pour en faire des lieux idylliques, au sein desquels les espèces présentes se développaient en toute quiétude. Les technologies utilisées par ces nouveaux alliés semblaient hors de toute compréhension pour les nouveaux venus. Plus incroyable encore, la maîtrise des sciences des anciens était telle que celle-ci leur avait permis de corriger les défauts de leurs organismes, jusqu'à faire d'eux des êtres quasiment immortels à l'abri du passage du temps. Chaque connaissance nouvellement acquise par les Nécrontyres, au contact de leurs récents alliés, renouvelait l'admiration qu'ils leur portaient, tout en nourrissant néanmoins un sentiment apparu dès les premiers moments de leur prise de contact. Un sentiment si confus qu'il en fut d'abord imperceptible. Vague, au point d'en être inconscient, celui-ci n'avait en effet cessé de croître et de se préciser dans l'esprit de ces lointains voyageurs, au fur et à mesure que la réussite des anciens apparaissait de plus en plus éclatante, semblant réduire à peu de choses leur propre réalisation. Lentement, un malaise s'installa. Celui-ci, entremêlant humiliation, ressenti et jalousie, grandit, enfla, au point de devenir colère. Une colère sourde, mais réelle, tournée d'abord contre eux-mêmes, puis contre le destin, et enfin, contre les anciens eux-mêmes. Voir ainsi ces derniers et leurs créations régner-t-elles des dieux sur la galaxie, alors que eux avaient eu à ramper à travers les vastes déserts radioactifs pour survivre, alors que l'âme et leur corps étaient meurtris à jamais par ces millions d'années passées seules dans les ténèbres, agit-elle une révélation sur leurs existences et son injustice? Pourquoi? Cette question revenait sans cesse. Qu'avait-il bien pu faire pour que le destin se soit montré si injuste? Pourquoi avait-il eu à subir une existence de souffrance alors que d'autres avaient vécu dans la paix et la prospérité? Il est dit qu'à cette époque, le roi silencieux des Nécrontyres, un grand monarque dont le nom est désormais oublié, régnait avec sagesse et autorité sur son peuple. Celui-ci était jusqu'alors parvenu à maintenir l'union entre les différentes dynasties, et cela malgré l'immensité d'un empire aux limites en perpétuelle expansion. Désireux du bien de son peuple, celui-ci avait ainsi envoyé ses plus proches conseillers rencontrer les anciens, afin de leur demander de partager leurs connaissances sur l'immortalité et ainsi délivrer les Nécrontyres de leurs existences éphémères. Toutefois, leurs espoirs furent brisés bien rapidement lorsque les anciens refusèrent. Nul n'en sait la véritable raison, mais l'on peut supposer que ceux-ci, même s'ils avaient souhaité aider les Nécrontyres, savaient ce qu'un tel cadeau impliquait. Le don de l'immortalité n'aurait pu être donné sans être sûr que ceux qui le recevraient l'utiliseraient à bon usage. Tout ceci n'est que supposition, mais peut-être que les anciens avaient perçu le ressentiment et la haine enfouis dans le cœur de leurs récents alliés. Une haine tapie dans l'ombre. Seul refuge possible à ceux ayant eu à subir tant de souffrances. Suite à cette opposition, les envoyés du monarque retournèrent rapporter à leur maître les paroles des anciens, ce qui ne fit que décupler le sentiment d'humiliation des Nécrontyres. Dévasté à l'annonce de cette nouvelle, le roi silencieux n'eut toutefois pas le temps de se laisser aller au désespoir, car une nouvelle des plus inquiétantes venait de lui être rapportée. Au cours des derniers millénaires, les grandes dynasties n'avaient cessé d'étendre les limites de leur vaste royaume. Dans leurs quêtes insatiables de pouvoir et d'autonomie, des tensions inédites étaient apparues entre les différentes maisons nobles ainsi qu'avec le triarcat. Ayant sous-estimé le ressentiment et les jalousies qui s'étaient développées avec le temps entre les différents pharaons, le roi silencieux fut abasourdi lorsqu'il apprit que plusieurs des grandes dynasties avaient décidé de faire sécession de l'empire. Par peur de voir celui-ci se désagréger, le triarcat n'eut d'autre choix que d'envoyer ses armées mater les mouvements séparatistes. Une terrible guerre civile débuta alors entre les maisons nobles restées fidèles au roi silencieux et ces derniers. Au fil des années, la violence ne fit que croître, et ce qui aurait dû être une guerre rapide se transforma en une lutte d'attrition. Celle-ci se transforma en un véritable massacre, embrasant tout l'Empire. Chaque méfait renforçait la haine entre les différentes factions, rendant toute réconciliation de plus en plus improbable. Des villes entières furent rasées, des mondes réduits en cendres, par les armes terrifiantes des Nécrontyres. Après seulement quelques années de lutte, le nombre des morts se comptait en millions. Le roi silencieux observait avec tristesse cette lutte fratricide. Lui, qui n'avait souhaité que le bien de son peuple, le regardait maintenant sombrer dans l'abîme. Alors que celui-ci avait surmonté tant d'épreuves, tant de souffrances, il s'entretuait en de puériles luttes intestines. Le monarque ne put toutefois se résoudre à abandonner. Lorsqu'il était devenu le roi silencieux, il avait juré d'accomplir son devoir. Plus qu'un devoir, la tâche qui lui incombait était une dette. Une dette envers tous ses prédécesseurs, une dette envers les siens. Peu importe ce qu'il en coûterait, il les sauverait.
Durant de longues semaines, le Triarcat réfléchit ainsi sur la démarche à adopter. Car, si une solution n'était pas rapidement trouvée, c'est tout ce que les Nécrontyrs avaient bâti qui menaçait de s'effondrer. La diplomatie, comme la guerre, n'était pas parvenue à dénouer la crise, et il fallait maintenant trouver autre chose, un moyen d'unir son peuple dans une alternative. Bientôt, une idée germa dans l'esprit du souverain. Une idée folle, qui allait causer la mort d'un nombre innombrable de ses sujets. Mais, plutôt que de laisser son peuple courir vers le néant, il allait restaurer son unité par la haine. La nouvelle se répandit alors rapidement au sein de l'Empire. Une nouvelle indiquant que les anciens possédaient une technologie capable de les rendre immortels, et que ceux-ci avaient rejeté avec mépris les demandes d'aide des Nécrontyrs. Humiliés, les différents pharaons des grandes dynasties cessèrent immédiatement leurs querelles pour se tourner vers cet ennemi qui les méprisait. Ils allaient se battre pour s'emparer de leurs secrets et leur faire payer leur affront. Attirés par une promesse de vie éternelle et unis dans le ressentiment, les Nécrontyrs se jetèrent alors dans les flammes de la guerre. Après des mois de préparation, les Nécrontyrs furent fin prêts. Une armada, composée d'un nombre inimaginable de vaisseaux, se jeta alors avec fureur au cœur de l'Empire des Anciens, pendant que les flottes des autres dynasties attaquaient sur tous les fronts, causant mort et destruction à travers les vastes domaines de leurs ennemis. Les forces du Triarcat ne firent aucune distinction, réduisant en cendres les mondes des Anciens, comme ceux des autres espèces sous leur protection. Durant les premiers mois du conflit, les adversaires des Nécrontyrs ne purent qu'assister avec effroi à cette attaque pleine de lâcheté de la part de leurs anciens alliés. Plus qu'une guerre, ce fut un massacre abominable comme la galaxie n'en avait encore jamais vu. Les Nécrontyrs y laissèrent s'exprimer toute leur haine contre ces espèces au contact desquelles ils s'étaient sentis rabaissés et humiliés. Au milieu de cet abominable tourbillon de violence qu'ils avaient déclenché, c'est avec un plaisir non fin qu'ils voyaient ces êtres à n'avoir connu que paix et harmonie ressentir à leur tour le poids de la souffrance et du chagrin. Toute la Voie lactée s'embrasa alors. Les âmes de milliards d'êtres vivants furent emportées dans les flammes de la guerre. La tristesse suite à la perte de leurs proches, la peur face à la mort, la rage ressentie contre l'ennemi, toutes ces émotions et bien d'autres encore se mêlèrent les unes aux autres pour partir rejoindre le grand océan et le warp. Toutefois, après ces premières défaites subies dues à cette attaque surprise, les anciens se reprirent bien vite. Désireux de faire comprendre à leurs anciens alliés qu'ils étaient loin de leur avoir montré toute l'étendue de leur puissance, le temps de la contre-offensive était venu, et l'ennemi allait vite en ressentir les effets. Bien que témoins de leur propre revers, les Nécrontyrs parvinrent difficilement, dans un premier temps, à concevoir ce qu'il était en train d'arriver. Les événements auxquels ils assistaient leur apparaissaient tout bonnement impossibles. Les armadas ennemies, aperçues dans un secteur de la galaxie, se retrouvaient ainsi, en à peine quelques jours seulement, à des années-lumière de là. Utilisant la toile pour se déplacer à travers le monde immatériel, les flottes des anciens se déplaçaient d'un bout à l'autre de la galaxie à une vitesse incompréhensible. Là où un système se trouvait assiégé, ces derniers intervenaient à la vitesse de l'éclair pour porter secours aux défenseurs. Là où les armées des Nécrontyrs étaient aperçues, les armadas des anciens se rassemblaient pour surgir sur celles-ci et renverser en un instant le rapport de force avant de repartir, à peine la bataille terminée, vers d'autres théâtres d'opération à travers les immenses portails de la toile. Alors que les premiers mois de leur offensive les avaient amenés à croire en la victoire, ceux qui suivirent firent réaliser aux Nécrontyrs leur impuissance. Rapidement, tout espoir s'envola, et bientôt, les envahisseurs ne purent que réaliser avec effroi les conséquences de leurs actes. Les flottes encore présentes au cœur des domaines de l'ennemi furent bientôt pourchassées et annihilées. De celles-ci, il ne demeurait que les carcasses des milliers de bâtiments laissés à flotter dans le vide intersidéral. Ces défaites faisaient apparaître plus clairement que jamais aux Nécrontyrs l'image si sombre qu'ils s'étaient faite d'eux-mêmes au regard de la brillante civilisation des anciens. Une civilisation qu'ils en étaient venus à exécrer. Cette image, ils avaient bien essayé de l'effacer en forçant le sort, mais le constat était là. La supériorité de leur ennemi confirmait une fois encore leurs peurs les plus secrètes. Le sort serait à jamais contre eux, et leurs efforts demeureraient à jamais insuffisants. Ne pouvant qu'acter la débâcle de ses forces, le Triarcat n'eut d'autre choix que de se résoudre à ordonner la retraite. L'annonce de ce repli ne contenta toutefois pas les anciens. Ils n'entendaient pas en rester là, et allaient faire en sorte que, jamais plus, les Nécrontyrs ne soient en mesure de leur nuire, ni à eux, ni à leurs alliés. Cherchant à parachever la démonstration de leur toute-puissance, ils se lancèrent ainsi, à l'assaut du présomptueux Empire, n'entendant s'arrêter qu'une fois le cœur de celui-ci atteint. Les lignes de défense de l'ennemi tombèrent alors les unes après les autres, au terme d'une résistance aussi vaillante qu'inutile. Les forces Nécrontyrs en déroute tentèrent bien d'apporter leur aide aux différents systèmes assaillis.
mais leurs contre-attaques se soldèrent toutes par de cuisantes défaites. La puissance des assaillants était bien trop grande et emportait tout sur son passage. La majorité des grandes dynasties disparurent, des milliers de mondes furent rasés, et il est impossible de calculer le nombre de morts engendrés par ces siècles de massacres. La pénitence des Nécrontyr n'allait cependant pas s'arrêter là, et il allait maintenant falloir boire le calice jusqu'à la lie. Alors que la situation ne pouvait être pire, les choses s'aggravèrent pourtant quand les guerres de sécession reprirent au sein de ce qu'il restait de l'Empire. Plusieurs des grandes dynasties tentèrent de se rebeller contre le Triarcat pour sauver ce qui pouvait encore l'être et tenter de faire la paix avec les anciens. Suite à des décennies de luttes internes et aux innombrables défaites subies, l'Empire était en ruine, brisé, un fragment ridicule de ce qu'il avait autrefois été. La guerre était maintenant terminée et la défaite était totale pour les Nécrontyr. D'un empire gigantesque qui avait mis des millénaires à être bâti, il ne restait désormais plus rien. Comble de l'humiliation, les anciens forcèrent leurs ennemis à battre en retraite si loin que ceux-ci se retrouvèrent bientôt à défendre le dernier et unique système sous leur contrôle. Un système baigné par la lueur d'un astre maudit. Là où tout avait commencé et où tout se terminerait. Là où les Nécrontyr étaient nés et où ils allaient mourir. Leur flotte et leurs armées annihilées, leur société au bord de l'anarchie, les anciens savaient que les Nécrontyr n'étaient plus une menace et que jamais ils ne se remettraient d'un tel cataclysme. Au lieu de les achever, ceux-ci les prirent en pitié, sachant pertinemment qu'ils pourraient les écraser quand ils le souhaiteraient. Les anciens laissèrent alors leurs ennemis à leur lente agonie. Plusieurs milliers d'années s'étaient écoulées suite à l'humiliation subie par les Nécrontyr lors de la guerre céleste. Reclus dans leur système solaire d'origine, ceux-ci demeuraient comme emprisonnés sur les quelques mondes encore sous leur contrôle. Brisés et apeurés à l'idée de déclencher la colère des anciens, ils vivaient tels des fantômes, errant misérablement à travers les nécropoles cyclopéennes bâties par leurs ancêtres. Le glorieux passé de cette race, parvenu à bâtir un gigantesque empire à travers les étoiles, n'était plus qu'un lointain souvenir qui s'obscurcissait chaque jour un peu plus. Des millénaires passés isolés de tout, à vivre dans la peur et dans la honte, transformèrent l'âme des Nécrontyr. Le chagrin fit alors place à la haine, une haine dévorante envers tous les êtres vivants de la galaxie, envers tous ceux à les avoir humiliés et méprisés, envers la vie elle-même pour l'injustice de leur existence. C'est à cette époque que naquit Zarek, un être qui prendrait le funeste nom du dernier des rois silencieux. Décrit comme un monarque sage, possédant une intelligence exceptionnelle, celui-ci régnait avec tristesse sur les misérables vestiges de l'Empire. Chaque jour, il observait lentement et inéluctablement le peuple de ses glorieux ancêtres sombrer un peu plus vers le néant. Bientôt, les Nécrontyr ne seraient plus, et leur nom serait à jamais oublié. Zarek le savait, mais cependant, il ne pouvait se résoudre à accepter cette destinée si injuste. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Un groupe de scientifiques Nécrontyr, s'adonnant à des recherches sur le soleil de leur monde, firent une découverte troublante. Il semblait que, petit à petit, l'énergie de ce dernier était comme en train d'être drainée vers quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Jugeant ce fait impossible, des recherches plus abouties furent menées afin de découvrir l'origine du phénomène. Utilisant les prodigieuses technologies développées par leurs ancêtres au fil des siècles, les chercheurs continuèrent leurs travaux jusqu'au moment où ils l'aperçurent. Une forme éthérée, une entité composée d'énergie pure, se trouvait comme accrochée à l'astre, tel un immense parasite. De qui ou de quoi pouvait résulter cette chose, nul ne le sut jamais. Même si une légende à Eldari raconte que les émanations psychiques des Nécrontyr avaient atteint une telle intensité sous l'effet de la haine qui les consumait, que celle-ci en était venue à agir tel un feu, dont l'incommensurable éclat avait attiré jusqu'à lui cette chose encore indéfinissable. Que cette histoire soit véridique ou non, les chercheurs ne purent cacher l'étonnement que leur procura leur première conclusion. À l'issue de leur analyse, la créature semblait en effet vieille de plusieurs milliards d'années, bien plus vieille encore que les anciens. Hélas, cette entité semblait être composée d'énergie pure et ne possédait pas de corps physique. Ils travaillèrent alors durant des mois, tentant de trouver un moyen pour communiquer avec elle. Et, au terme d'efforts colossaux, en vinrent à former un plan insensé. Peu de choses en sont connues, mais force est de constater que les Nécrontyr parvinrent dans un premier temps à attirer jusqu'à eux la mystérieuse entité. Une fois cette étape réalisée, ils s'employèrent alors à capter et à comprimer la colossale masse d'énergie pour ensuite la plonger dans de gigantesques cuves de nécroderme bouillant. Des forces incompréhensibles furent alors compressées dans le métal vivant. Au fur et à mesure de cette fusion, l'âme de l'entité ne cessait de rugir de douleur en étant arrachée au monde immatériel.
les flux d'énergie infinie, emmagasinés depuis des temps immémoriaux, se répandirent alors à travers ce nouveau corps. La créature rugit une ultime fois lorsque, dans une explosion d'énergie, telle la naissance d'une étoile, sa conscience se matérialisa dans le monde physique. L'être qui sortit de la cuve irradiait de puissance. Après quelques pas seulement, il s'immobilisa pour observer son corps. Ne pouvant comprendre ce qu'il s'était passé, celui-ci peinait à s'adapter à cette nouvelle existence et à toutes ces sensations inconnues qui l'envahissaient. Lorsqu'il leva enfin les yeux pour observer où il se trouvait, il constata que des milliers de pathétiques créatures se prosternaient devant lui en marmonnant d'étranges paroles. Il ne le comprit pas tout de suite, mais ces paroles étaient en réalité des prières. Des prières de ses fidèles pour celui qui reçut le nom de Octane, le dieu des étoiles. Il ne fallut que quelques semaines au Octan pour s'habituer à son corps de métal vivant. Son intelligence exceptionnelle lui avait bien vite fait réaliser les incroyables perspectives que lui offrait cette nouvelle existence. Ce corps physique, réceptacle d'une puissance hors de toute compréhension, lui promettait tant de nouvelles expériences, tant de nouvelles sensations exquises. Mais au-delà de toutes ces nouvelles envies, un désir brûlait en son âme, une faim dévorante, insatiable. Peu de temps après, le Octan fut amené devant le roi silencieux. Maniant la langue des Nécrontyres à la perfection, le dieu se présenta au régent sous le nom de Méphétran. Zarek observait l'être qui se présentait à lui. Un être au charisme insolent, ne laissant transparaître qu'une fraction de sa puissance. Tout de même assez pour, s'il l'avait souhaité, désintégrer n'importe quel mortel d'un regard. Cordial et charmeur, l'Octane proposa au monarque de lui raconter son histoire. Acceptant, le roi silencieux fut bien vite stupéfait de ce qu'il apprit de son hôte. Méphétran fit le récit du passé de son peuple au roi, lui expliquant qu'il existait d'autres êtres tels que lui, disséminés à travers la galaxie. Étonné, Zarek apprit de son interlocuteur que les Ktan avaient eux-mêmes rencontré les anciens par le passé, et que cette rencontre avait mené à une terrible guerre. Défaits à l'issue de celle-ci, ils avaient été bannis par leurs ennemis, condamnés à errer sous ces formes éthérées à travers le cosmos pour l'éternité. De ces mots, personne ne peut dire la part de vrai et de faux. Toutefois, ce qui est en revanche certain, c'est que le Ktan demanda humblement aux Nécrontyres de former une alliance afin de se venger de leurs ennemis communs. Tout d'abord intrigué par cette proposition, le roi et sa cour furent encore plus surpris par ce que leur offrait Méphétran en échange. À la race des Nécrontyres, ils ne donneraient rien de moins que ce qu'ils avaient toujours cherché, le secret de l'immortalité. Remerciant son hôte, le roi lui demanda du temps pour réfléchir à sa demande. Durant les mois qui suivirent, Zarek débattit de cette proposition avec les autres pharaons du triarcat ainsi qu'avec les nobles de sa cour. Seul Orican, l'astrologue de la cour, implora son maître de refuser cette offre, prédisant que l'alliance avec les Ktan entraînerait peut-être une renaissance de la gloire des Nécrontyres, mais détruirait à jamais leurs âmes. Pourtant, désir et ambition finirent par outrepasser la prudence. Un an après la proposition de Méphétran, Zarek décida d'accepter, puis demanda à Octane quelles seraient les prochaines étapes à suivre. Celui-ci lui demanda alors d'être patient, avant d'ajouter en souriant que ses frères et sœurs étaient en chemin. Au cours des décennies qui suivirent, ils arrivèrent par dizaines. Impatients de pouvoir goûter aux délices et aux nouvelles sensations du monde physique que leur avait promis Méphétran, un à un, ils prirent possession de leur nouveau corps de métal vivant. Sans doute suivirent-ils les conseils de leurs frères, mais les autres Ktan transformèrent leur apparence physique afin de ressembler aux anciennes divinités Nécrontyres, représentées dans leurs antiques textes sacrés. De par leur apparence et leur pouvoir inouï, ceux-ci devinrent rapidement des dieux aux yeux des Nécrontyres. Chaque Ktan était adoré et servi par des cultes de centaines de milliers de serviteurs et de fanatiques. Peu d'entre eux nous sont connus. Mais certains, au regard des occurrences dans les récits à Eldari, semblaient occuper une place majeure au sein de leur panthéon, tels que Ygran Naya, dit le créateur de monde, Saranoga, l'étranger, Lian Nugor, l'écorcheur, Zarulash le potentat, Yashudra, ou encore Nyadrazata, l'enflammé. Une hiérarchie se dessina toutefois parmi les Ktan. Trois d'entre eux, Azagorod, le Nightbringer, Magladros et Méphétran exerçaient toutefois un ascendant certain sur le reste de la fratrie. Le premier n'était autre que le dieu de la mort, des ténèbres et de la destruction, celui par qui tout s'achevait. Magladros, nommé aussi le dragon du vide, était quant à lui connu pour sa force incommensurable, sans doute le plus puissant des Ktan, tandis que le dernier
qui prendrait plus tard le surnom du trompeur, apparaissait, en dépit de son caractère chétif, comme le plus habile de ses frères et sœurs. Un être qui deviendrait connu comme le dieu de la ruse, du mensonge et de la tromperie. Au cours des décennies qui suivirent l'arrivée d'Ektan, ceux-ci, via leur capacité exceptionnelle, aidèrent les Nécrontyrs à développer de nouvelles et prodigieuses technologies, accentuant ce faisant l'émerveillement que ceux-ci vouaient à leur égard. Durant cette période, les dieux des étoiles partagèrent leurs connaissances à leurs alliés, afin de concevoir des armes à la puissance extraordinaire, ainsi que des vaisseaux capables de se déplacer à une vitesse prodigieuse. Petit à petit, les Ktan préparaient leurs armées pour la guerre à venir contre les Anciens. Celle-ci serait sans commune mesure, une guerre insensée et totale. Peut-être qu'à travers celle-ci, les dieux des étoiles désiraient réellement se venger des Anciens. Mais il est fort probable que la vraie raison derrière ce conflit était la promesse d'un festin à nul autre pareil. Depuis le temps où ils dévoraient les énergies fades et ternes des étoiles, la faim insatiable qui les animait ne les avait jamais quittés. Or, le corps que leur avaient donné les Nécrontyrs leur avait permis de goûter aux plaisirs et sensations du monde matériel. Ils avaient alors découvert des mets bien plus exquis que tout ce qu'ils avaient consommé jusque-là. L'âme et les énergies vitales des mortels étaient un régal sans commune mesure. Et s'il y avait bien une chose dont la galaxie ne manquait pas, c'était bien d'âme à consommer. Toutefois, avant de débuter ce festin sans fin, les Ktan avaient prévu pour leurs alliés une dernière surprise. Après tout, comme convenu, ils devaient tenir le pacte qu'ils leur avaient fait. Alors que les Nécrontyrs attendaient impatiemment que leur dieu vienne comme promis leur apporter le secret de la vie éternelle, d'immenses installations étaient en train d'être érigées par les masses de serviteurs au service des Ktan. Lorsque celles-ci furent finalement achevées, Mephetran informa les grandes dynasties que le processus de biotransfert pouvait commencer. Des millions de Nécrontyrs, parmi les classes les plus misérables, furent alors conduits au cœur des immenses installations. Nul ne sait précisément ce qu'il s'y déroula, mais les fournaises ne cessèrent jamais de fonctionner au cours des semaines qui suivirent. Les épais murs des usines de biotransfert étouffaient les hurlements de douleur de ces pauvres êtres qui se voyaient être dépouillés de leur chair et de leur âme. Lorsque ceux-ci ressortirent, comme convenu, les Ktan avaient supprimé la faiblesse de leur chair pour en faire des machines froides et immortelles composées de nécrodermes. Après eux, ce fut au tour des guerriers, des membres des castes supérieures et enfin des nobles. Zarek, ne réalisant pas ce qu'il avait accepté et pensant que Mephetran avait tenu sa parole, ne comprit qu'en sortant lui-même du processus de transfert ce qu'il avait fait. Son corps était maintenant fort, puissant, presque indestructible, mais au-delà de ça, il ne ressentait dorénavant plus rien, plus aucune sensation. Sa conscience demeurait, mais ses émotions avaient disparu. De celles-ci, il ne restait que des échos lointains de ce qu'il avait pu ressentir de son vivant. Son âme lui avait été enlevée, et pourtant, ce qu'il restait de son être pleurait en réalisant ce qu'il avait fait. Les Ktan s'étaient joués tout du long de ces pathétiques créatures qui, dans leur désespoir, les avaient pris pour des dieux. Ils avaient observé en se moquant ces êtres pitoyables se jeter d'eux-mêmes dans les fournaises de biotransfert. Et ils avaient pris un immense plaisir en dévorant les énergies vitales et les corps de chacune d'entre elles. Cet acte ignoble ne leur avait toutefois pas suffi, car après s'être délectés de ce repas, ils avaient poussé l'humiliation à son paroxysme afin de faire de leurs victimes leurs serviles esclaves. Chaque Nécrontyr à être passé par les usines de biotransfert s'était vu transformé en une créature de métal immortelle. Les plus faibles et les plus misérables ne reçurent que des corps faits pour la guerre, dépourvus de toute conscience, de toute forme d'intelligence, de simples pantins sans âme. Seuls les nobles et les membres importants des dynasties avaient pu conserver une part de leur intelligence et de leurs souvenirs de leur vie passée. Amusés, les Ktan avaient poussé le vice afin d'empêcher leurs esclaves de se rebeller les uns contre les autres, comme ils l'avaient déjà fait tant de fois par le passé. Au sein de chaque Nécrontyr avaient été implantés des protocoles de commandement, empêchant tout être de se rebeller contre un membre de rang supérieur. Ces pauvres créatures, qui avaient tant voulu demeurer unies, avaient vu leurs vœux être exaucés par leur nouveau maître. Jamais plus, les dynasties ne se feraient la guerre. Toutes demeuraient éternellement soumises aux ordres du triarcat et du roi silencieux. Zarek observait avec une tristesse infinie ce qu'il avait fait à son peuple en voulant l'aider. Quand finalement la douleur fut trop forte, lorsqu'il ne put faire face à la souffrance, son esprit trouva refuge dans le seul endroit possible en se laissant envahir par la haine. Une haine brûlante envers toutes et tous, envers tous les êtres vivants, envers la vie elle-même et surtout envers soi-même. Le dernier des rois silencieux s'en fit alors la promesse. Anciens, Tan, Eldar, ainsi que tous les autres races de la galaxie, ils allaient tous payer. Zarek s'était battu et avait cru. Cru en l'espoir que son peuple connaîtrait des jours meilleurs. Il s'était trompé et avait échoué. Il savait les Nécrontyrs désormais perdus, ayant été pris une nouvelle fois, une fois de trop, au piège de leurs illusions.
Dans un ultime effort, le roi décida d'acter de lui-même la mort de cette race à laquelle il avait consacré comme tant d'autres sa vie. Désireux une dernière fois d'exprimer cette liberté si précieuse aux siens, respectueux de la mémoire de ses ancêtres, peut-être soucieux de ne pas les associer à ce qu'il allait suivre, il abandonna le nom des Nécrontyres. Et ce faisant, marqua la fin de l'incroyable périple des membres de ce peuple maudit. Ces derniers allaient laisser place aux Nécrons, un peuple qui, fruit de millénaires de souffrance et d'humiliation, n'existerait désormais plus que pour haïr et pour obtenir sa vengeance. Cet ultime acte accompli, le vent se leva sur la planète éprouvée et la guerre céleste débuta.